Niven, bonjour. Toi, la monte pour demain, notamment première course, tu es pilote Generous Giant qui finit un bon couloir. Qui a l'impression de finir les stars au training, qui change ta côte? Bonjour, qui mouvement de cheval, première Generous Giant, première course, qui cheval là très bien à l'entraînement, qui il travaille très très bien dans des semaines de cela. Et nous gagnons 1500 mètres, mais il est dans les courses. Mais le cheval là très bien à l'entraînement, mais moi pensé pour l'arrivée. Et justement, dans les courses, qui cheval te penser la meilleure chance hein? C'est mon danger, c'est Timok. Timok est comme dans Matafa aussi. Et sinon, un event Cassé de Roche, si de l'entrée, première journée, il m'a donné accepteur. Et là, les Pérévini, si j'aime couleur, la Redweight, nous avons dit par rapport à mon cheval de sa là. Pour toi, qui change ta côté? Comment vous dire, je peux gagner les courses pour lui, qui passera les courses pour lui. Et nous aussi gagnons les courses pour lui, qui y a un cheval assez difficile pour monter, qui en ligne droite, qui il hang in. Mais il y a un cheval à battre, c'est d'une comme tout, 61 kg et il venait 53 kg. Moi, je pensais qu'il était là pour jouer un rôle là. Non? Peut-être une surprise, hein? Qui fait une fin de l'histoire de sa training? Le cheval là, c'est amélioré, il progressait beaucoup, comparé à l'année passée, mais je pensais qu'il était dans 4 premiers. Et sinon, tu avais monté le prince des 1000 mètres avec, bien sûr, tu aurais mis 3 kg. Et comment tu as trouvé de ça les courses là? Là-dedans, il y a un cheval à battre dans le Rail Cup qui n'a pas eu l'occasion de monter dans l'entraînement. Mais s'il prend un bon départ, il monte tout seul tranquille devant le cheval à battre, c'est le Rail Cup. Mais je pense que lui aussi, il est séparé. Et ce premier point de galopé, c'est ça l'année là. Mais je pense qu'il est pour le côté. Sinon, on y vient, Duchesse, tu fais une suivre training depuis le début de l'année. Quel cheval de Duchesse, pour toi, te penser finisse la meilleure impression et te penser capable de gagner demain? Pour moi, c'est le cheval à battre, c'est M. Mergo, ce cheval, parce qu'il me connaît un cheval là, bien l'Afrique du Sud, qui est en classe. Cheval à battre, c'est pas cheval. Pour toi, tes meilleures chances de sa trois la montre là? C'est mon meilleure chance, c'est Generous Giant. Dernière question, Niven, quand nous mettons la carte de demain, neuf les coups, c'est un cheval qui te conseille, man tu as fils, mettre un petit bête dans neuf les coups. C'est qui cheval, hein? C'est Bolting 4.